Alors, de Bordeaux, quand tu es arrivé, il paraît que tu as croisé le staff d'Arafat qui repartait. Mais vous, vous n'êtes pas salué. Staff d'Arafat, ça n'existe plus. C'est mort. Mais c'est... Ouais. Tu crois ces gars, vous vous êtes rien dit? Oh, moi, je les considère comme des hypocrites, en fait. Ah ouais, ouais. Ils t'ont pas contacté, ils t'ont pas associé un petit peu de la façon dont ils ont associé tout le monde et tout? Personne ne m'a contacté. Est-ce que tu les as contactés aussi, toi? Je peux pas les contacter parce que c'est fini, c'est fini. Est-ce que ça peut... Tu penses vraiment que ça peut finir? Fait, c'est des... Ils cherchent l'agence, c'est des croque-morts. Moi, je les considère comme des croque-morts. Toi, tu aurais conseillé quoi? C'est-à-dire que pour toi, qu'est-ce qui devrait se faire après la mort? C'est juste une petite cérémonie, tranquillement. On va sur sa tombe, on prie et puis on doit aller. Le c'est tout. Son âme, c'est pas fini. De groupe, pas de t-shirt. C'est quoi pas de... tous ces bruits, t-shirt, nanani, machin, où les gens sont obligés de payer de l'argent, tout ça, nanani. Mais ça fait plaisir aux fans. Hein. Mon ami était là tranquillement, elle avait ses CD avant. On n'a pas vu quelqu'un ici, qu'on a réussi à mentir là. Ouais. Il y avait ses CD, si on y venait payer tranquillement, il y avait 10 dollars. Mais c'est pas là, c'est maintenant où il veut quoi. Et c'est dans la nature comment tu as vécu, il faut qu'on arrête ça. Avant de passer à la prochaine rubrique, comment tu as vécu le fait qu'on t'ait écarté à son hommage au stade? Viens, on ne peut pas m'écarter. J'ai décidé de ne pas être là. Ouais. Parce que je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un hypocrite. Moi, quand il vivait de son vivant, je lui donnais tout ce qui est conseil. Il n'a pas eu cette force de m'écouter parce qu'il avait les imbéciles à côté de lui qui lui ont dit n'importe quoi comme conseil. Un peu. Et ces mêmes gars, quand il avait ses événements, tout ça, concernant, ils n'étaient jamais là. Et nous, comme on était dans un game, on se moquait, ça ne nous plaisait pas. Mais c'est le game. Ouais. Hey, regarde, tu vois, tu consultes tes potes. Mais vas-y, regarde, il n'y a personne à tes concerts. Ouais, j'étais fini, t'es tombé, tu vois. Mais nous, c'est dans un feeling, c'est dans un game. Tu as mis à sa maman? Enfin, c'est quoi vos rapports avec la maman d'Arafat? Je ne sais pas, c'est notre maman, tous, c'est ma maman. Tu l'aides un peu de temps en temps? Je l'ai toujours aidée, cette dame. Alors, je la vois tranquillement qu'il y a des personnes qui veulent foutre du bordel. Moi, je m'interpose. Je m'interpose, voilà. Quand j'ai un peu de blé, tu vois, un peu... Ah, maman, tiens ça en esprit, tiens, faut attraper, c'est rien. Tu comprends et un peu, non? Et donc, ce 12-là, ce sera quoi, toi, ta façon de célébrer Arafat? Qu'est-ce que tu vas faire le 12? Moi, je peux que prier pour lui. Tu vas juste prier chez toi, à la maison? Ouais, chez moi, à la maison, je prie pour Didier Arafat. Sinon, tout ce que vous voyez là, la Chine a vie, la Chine, il y a pas 13 ans, Chine. Il y a des menteurs, je vous dis, je vous regarde, vous mentez. Vous avez endormi mon pote. Ouais, tu as ces photos chez toi, les photos d'Arafat? Mais non, c'est moi la star chez moi.